Bonjour à tous, nous sommes au Greenwiz Paris, premier paddle major. Avec nous, le partenaire de Yann Oradou que vous avez vu tout à l'heure, Manu Le Man. Exactement. Le Man, monsieur Vives. Salut Franck, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien. On est au stand Greenwiz et on est très content de t'accueillir pour en connaître plus, pour en savoir plus sur toi, sur ton histoire. Parce que, il s'en souvient peut-être, l'une des premières fois où il a fait un tournoi, eh ben, c'était face à moi et j'ai pris très très cher. Et oui, c'était au PEC. Ah ouais? Oui. Eh ben, j'ai déjà oublié, Franck. Tu vois, j'ai vite passé la case suivante. Je franchis les étapes assez vite. Justement, Manu, on a envie de savoir depuis quand tu joues au paddle et qu'est-ce qui a fait que quasiment en l'espace de quelques mois, nous qui t'avons suivi au final assez rapidement, on a vu cette courbe de progression assez singulière. C'est vrai. Bah, ça fait 3 ans que je joue au paddle environ, Franck. 3 bonnes années. Ça fait un peu moins d'un an que j'y suis à fond là-dedans. Mais en soi, j'avais commencé en m'entraînant pas mal de fois, en augmentant un peu plus, en faisant 2-3 entraînements par semaine. Là, ça fait 4-5 mois que je m'entraîne plus beaucoup, mais c'est juste en fait ce qui a vraiment changé. C'était avant le P2000 là, qu'on gagne du coup avec Yann à Perpignan. J'ai fait une semaine à Barcelone, à l'académie de Pablo Ema. J'ai fait une semaine et ça a changé grandement mon jeu. Et rien que ce petit boost où j'ai pris un peu de niveau, bah, ça fait vachement la diff en France. Et du coup, là, ça donne envie de s'investir à fond. Je vais partir en Espagne pour faire que ça. Et je pense que j'ai une grosse marge de progression. Alors, qu'est-ce qui a fait lorsque tu es parti en Espagne à l'Académie Pablo Ema, qui est l'actuel capitaine de l'équipe de France, messieurs? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu quelque chose qui a fait évoluer ton jeu? Alors, il n'y a pas vraiment de... Si, quand même, si, j'ai bien progressé en défense parce que j'ai des grosses lacunes en défense que je traîne toujours, mais j'ai vachement progressé quand même là-dessus avec les vitres. J'ai appris un peu plus à temporiser et à mettre même en valeur le jeu de mon coéquipier pour que lui-même fasse le travail pour moi. Et puis surtout aussi, c'est le fait de jouer pendant une semaine non-stop avec des joueurs de très bon niveau. Quelque chose que je ne fais jamais en France et ça change vachement d'avoir du rythme, de jouer avec des bons joueurs, juste du volume de jeu, ça change énormément. En plus des très bons conseils de Pablo. On va parler aussi, on va reprendre sur les tout débuts. Hein. Oui. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait d'abord que tu es passé du tennis au paddle. J'ai envie de le rappeler quand même, tu pars pas de rien du tout au niveau du tennis. Allez, parle-nous de cet épisode. Bah, j'ai pas été mauvais au tennis, j'étais 0 à 17 ans. Après, j'ai fait 3 ans de blessures de suite de mes 17 à 20 ans, ce qui était très dur mentalement et physiquement aussi du coup. Et c'est au bout de la deuxième blessure, à moitié de la deuxième blessure, du coup vers 18 ans et vers mes 19 ans, j'ai découvert le paddle. Et en gros, j'avais mal au tennis et pas mal au paddle. Du coup, je m'y suis mis et je me suis vite pris au jeu. J'ai accepté vite de jouer avec les vitres. Je me suis vite amusé, le 2 contre 2. Mes qualités athlétiques du tennis collaient parfaitement avec le paddle. Et puis j'ai vu que j'étais pas mauvais, il y a beaucoup moins de concurrence qu'au tennis, tu deviens vite fort et c'est quelque chose que j'ai de suite adoré et depuis je suis fan, je suis complètement passionné. Rappelle-nous, tu avais quoi sur le plan physique et qu'est-ce qui a fait que justement au tennis c'était compliqué et au paddle manifestement il n'y a pas de problème? Alors c'était pas non plus compliqué au tennis, mais c'est juste que là il y a beaucoup de très bons joueurs au tennis, au paddle on est moins. Et en gros au tennis je suis très explosif, j'avais un très bon bras, j'étais relâché et c'est quelque chose qui m'a... Et je vais très vite. Du coup, c'est quelque chose qui marche parfaitement au paddle, c'est ce qu'on retrouve dans mon jeu. Je suis très rapide, je vais vite de l'avant, je smash très bien et puis voilà. Alors, je parlais plutôt de la partie physique, tu disais, j'ai mal au tennis et au paddle, c'est moins évident. D'accord. Et bien, c'est juste comme on joue sur de la moquette et pas sur du dur où il y a moins de glissades, moins d'appui fort avec de la résistance, et ben, c'est plus facile au paddle. Et le fait qu'il y ait de la moquette et du sable, ça amortit les chocs, je pense. Allez, c'est parti pour maintenant la partie. Le petit quiz. Ouais, le petit quiz. Alors bon, la Velleda, je pense que tu connais bien. Je connais bien. Bah, quand on se fait masser, par exemple, comme. Marianne. Non, ça va. Je laisse ça aux professionnels. D'accord. Par exemple, là, cette semaine, pendant le tournoi, voilà, tout le monde utilise ça. C'est vraiment connu. Et puis ça marche d'enfer. Hein. Tu l'utilises où? Je l'utilise sur mes muscles, tout bonnement, sur mes muscles. Exactement. Alors.
Je sais que tu fais gaffe à toi, sur le plan physique. Hein. Voilà, il s'agit d'un produit que vous pouvez également retrouver chez Greenwiz. Evernat, sésame, Canberry, c'est là. Et j'ai cru comprendre que tu étais un habitué de ce genre de produit. Oui, j'en prends beaucoup parce que je fais attention à ce que je mange. J'ai la chance de pouvoir manger bio. Je sais que c'est vachement bien pour le corps, pour la santé. Il y a plein de micronutriments. C'est vachement riche sur tout ça. Et puis surtout, c'est bon pour la santé. Bon pour la santé, tu l'utilises à quel moment ? J'utilise tout le temps, que ce soit en période de tournoi ou même en dehors, ça me fait du bien. Du coup, j'utilise ça tout le temps. Allez, dernière petite question quand même. L'avenir, c'est quoi ? Tu joues avec Yann Oradou ? Oui. Tu lui dis non, plus jamais, on a perdu au premier tour ici, je ne veux plus jouer avec toi ? Ou alors... On n'a pas très bien joué hier. Hier, il a été mauvais, particulièrement mauvais, Yann, je te le dis. En face de la caméra, tu as été mauvais, Yann. Mais c'est pas grave, tu m'as toujours porté et c'est grâce à toi que je suis là. Et c'est un gros, il joue très très bien. Et non, l'avenir, c'est partir en Espagne dès la rentrée, là, après le P2000 des Pyramides. Ouais. Je pars en Espagne un an, m'entraîner à fond. Ça va vraiment changer la vie. Et en France, ça va toujours être avec Yann. Parce qu'il joue, il fait partie des tout meilleurs joueurs français et je le suis extrêmement reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi. Du coup, on va continuer. Et en Espagne, je ne sais pas encore. Soit avec un des Français avec qui on part, ou alors en espagnol, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que et l'autre Français, c'est ? Le Français, il y a mes amis Guichard, Serin, Philemon Reichmann. Il y a Ben Escat aussi, on va s'entraîner tous ensemble, ça va être très sympa et peut-être ça sera un de ces Français, enfin des jeunes Français ou alors un jeune prodige espagnol peut-être. Bon, c'était le mot de la fin. Merci Manu. Merci à toi Franck, c'était super.